pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Ça va bien? Bonjour! Enfin, content de vous voir! C'est spécial aujourd'hui, monsieur Philippe. Ok, tout le monde, viens s'asseoir sur la ligne de classe, s'il vous plaît! Salut tout le monde! Comment ça va? Ça va bien? Bonjour groupe! Alors, hey, bonjour monsieur Philippe! Bonjour monsieur Joey! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Effectivement, je m'ennuyais! Ben moi aussi je m'ennuyais de toi, de vous, et je m'ennuyais de vous les élèves! Hein? Alors, mais pourquoi monsieur Philippe, aujourd'hui on va faire quelque chose de spécial? Puis j'aimerais ça monsieur Philippe vous expliquer pourquoi on fait ça aujourd'hui, de cette façon-là! Aujourd'hui, on te propose une capsule vidéo dans laquelle tu vas avoir des exercices que tu vas pouvoir refaire soit à la maison ou à l'extérieur avec des gens que tu connais et que tu aimes. Ça va te permettre de bouger, de faire de l'activité physique et peut-être même d'apprendre des nouveaux mouvements. Aujourd'hui, on fait quel type d'exercice? Aujourd'hui, on va s'entraîner physiquement et le titre que M. Philippe a adopté à ce jeu-là, ça s'appelle les exercices de type militaire. Exactement. Et pourquoi vous avez appelé ça de façon de type militaire, M. Philippe? C'est tous les exercices que je suis allé chercher dans des banques d'exercices qui existent que les militaires utilisent pour s'entraîner. Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à la maison, de venir vous entraîner avec nous? Oh, j'entends rien! Excellent. Oui. Comment ça fonctionne aujourd'hui? J'explique le tout. Merci de me ramener à l'ordre. Alors, comment on fonctionne? C'est très simple. Tous les exercices qu'on va faire, on a un total de 6 exercices. On va les faire à 10 fois. Donc, ce sont des répétitions. On va en faire 10 fois. Et dans le fond, on va vous donner le choix. Vous, à la maison, tous les exercices qu'on va faire vont être sur des images. Vous allez pouvoir les refaire soit juste une fois, deux fois pour ceux qui sont vraiment intrépides et trois fois pour ceux et celles qui sont audacieux. Okay? Exactement. Ça va être vraiment incroyable. Et là, dans le fond, il va y avoir, dans ces exercices-là, M. Philippe va faire le niveau de base, le plus débutant. Facile pour le débutant. Moi, je vais montrer le niveau intermédiaire pour ceux et celles qui veulent un petit défi de plus ou quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et à la fin de l'exercice, M. Philippe, on va te montrer, dans le fond, le ultimate, le mouvement ultime que tu peux faire avec l'exercice qu'on va te montrer. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que j'ai oublié quelque chose, M. Philippe? Non, on est prêt à commencer. C'est le squat avec les mains sur la tête, donc main derrière ta tête, et je vais te demander de descendre lentement
venir presque toucher tes talons avec tes fesses et remonter pour faire ton premier exercice. Version plus facile, version médium. Version médium, même chose, on va descendre. Place les mains ici, derrière la tête. Moi, je suis plus à l'aise, M. Philippe, si vous me permettez, allez mettre sur mes oreilles. Ça va. On descend, on remonte et ensuite, on essaie d'aller toucher le bout de son orteil. Et ça, M. Philippe, ça compte pour 1. OK? Donc, on se rend jusqu'à 10. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Super! M. Philippe, vous êtes prêts? Yes! Ah, c'est vrai, M. Philippe va me placer sur le côté pour bien montrer le mouvement. Vous êtes prêts? 1 et 2, 3, c'est parti! On descend, on remonte, ça fait 1. Descend, remonte, 2. 3. 4. 5. Bravo! Good job, bravo! Vous êtes vraiment bon à la maison. Monsieur Philippe, ça a bien été? Oui, très bien été. Quelle serait la version professionnelle? La version professionnelle, c'est plus rapide et on va rajouter quelque chose. On va rajouter un saut à la fin. Vous allez voir, ça va y aller assez rapidement. Et vous allez voir, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, on descend, on saute. 1, 2, 3, et tu te rends jusqu'à 10 de cette façon. OK? Excellent! Woo! Exercice 2. Exercice, ben, je fais ça, mais j'essaie de faire des affaires, mais on ne peut pas à cause du confinement. Okay. Virtuel. Virtuel, exactement. Exercice numéro 2, ce sont des push-up Superman. Superman. Tu te rappelles à l'école comment on faisait ça? M. Philippe va faire une démonstration pour le niveau de base. Débutant, tu peux te placer sur les genoux, placer tes mains vis-à-vis tes épaules. N'oublie pas que tu descends au sol, tu viens mettre tes mains droites et tu recommences pour faire 1. Version 2. Version numéro 2. Donc, on se passe en position push-up, comme ceci. On descend. On allonge et on revient, mais contrairement au niveau 1, on n'avait pas les genoux au sol. Donc moi, je vais faire ce niveau-là. M. Philippe va faire le niveau de base, le niveau 1. Moi, j'ai fait le niveau 2. Et à la fin, on va te montrer le niveau 3. Est-ce que vous êtes prêts? M. Philippe, vous êtes prêts? Oui. Mais vous, je me place de côté? Oui, ça serait bien. Oui. C'est parti. Comme ceci, M. Philippe. Comme ça. Hein? C'est bon. Il ne faut pas cliquer. Hein? On s'ajuste. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Position, s'il vous plaît. On y va dans 3, 2, 1 et 10 avant le go! 1, 2, 3, 4, bas ton rythme, 5. Bravo si tu as complété l'exercice numéro 2. Niveau, dans le fond, là, on va mettre le niveau plus dur pour papa-maman, les adolescents, les 5-6e années, un petit défi de plus. Tu peux sauter, petit bonhomme. Push-up. Petit bonhomme. Saute. Ça compte pour 1, t'en as 10 à faire. N'est-ce pas magnifique? C'est ce qu'on appelle le burpee. Finalement, le burpee. Le burpee, c'est comme... niveau professionnel. Niveau professionnel. Oh, OK. Prochain exercice maintenant. L'exercice numéro 3 s'appelle le grimpeur. Monsieur Philippe, le grimpeur, ça consiste en quoi? Grimpeur, tu passes au sol, version 1, avec les deux pieds, tu vas venir faire des petits mouvements comme si tu montais une montagne.
OK. Niveau 2. Moi, je l'ai modifié un petit peu. Position push-up. Et tu plies le genou comme ça et tu viens de façon rapide. OK. Et niveau 3, on va le montrer après. Et on a combien à faire? On a juste 10 à faire? 10 à faire. 10 à faire. Donc, quand on ramène une jambe, on ramène l'autre jambe, ça va compter pour 1. Suivez-nous, ça va bien aller. Ça va bien aller. On est prêt? Oui, monsieur. Position. Commençons en 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Bravo, monsieur Philippe. Bravo, tout le monde à la maison. C'est magnifique. Bravo. Dans le fond, le petit défi, le niveau 3 dans cet exercice-là, même chose que le niveau 2, mais tu ramènes une jambe de l'autre côté. Tu essaies d'aller toucher ton coude de l'autre bras. En fait, la rotation de la jambe vers l'intérieur. Comme ceci. Tout simplement. Excellent. Monsieur Philippe, prochain exercice. Qu'est-ce qu'on fait? Prochain exercice. Les abdominaux, on va se placer au sol, on va venir lever les jambes. C'est un exercice que tu as probablement déjà fait avec nous dans la gymnase en début d'année. Exact. Bouché sur le dos, tu lèves une jambe à la fois et tu la redescends. Le niveau 1, on te permet de venir déposer ta jambe au sol. Niveau 2, monsieur Joey. Niveau 2, même position, mets les mains en dessous des fesses et même mouvement, mais on essaie de ne pas toucher au sol. Comme ceci. Donc, 1, 2, etc. Je vais me placer dans un autre sens. Oui. OK, on est prêt? Commençons là. On a 10 à faire. Position en 3, 2, 1, et 1. Good job. Monsieur Joey, ouais. Quelle serait la version professionnelle? La version professionnelle, même chose, sans mettre les pieds au sol. Tu restes assis, comme ceci, en C, et tu bats les jambes comme ceci. OK? Donc, tu me places sur le côté. Un exercice, on se penche vers l'arrière, et on fait ça comme ceci, tout simplement. Ça vous va? Tout le monde est content? Good job. Prochain exercice, monsieur Philippe. C'est quoi le prochain exercice? Un exercice qu'on appelle moulin à vent. Tu places les pieds largeur des épaules, les bras en croix. Avec ta main droite, tu vas venir toucher le bout de ton pied gauche. Tu vas essayer de garder tes jambes le plus droites possible. Niveau 2. Niveau 2, ça va être la même chose, mais on va y aller un petit peu plus rapidement. Niveau 3, on l'expliquera après. On est prêt? Ben certainement. Vous êtes prêts? Yes. 1, 2, 3, et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je pense que c'est bon. Et on arrive pour la chance. Wouh! Super! Excellent! Vous étiez magnifique à voir. J'en suis convaincu. Et finalement, il nous reste un exercice à faire. Oui, on a oublié la version professionnelle sur le moulin à vent. La version pour les plus grands, pour les adultes, pour les ados, pour les sportifs. Merci de me ramener à l'ordre, je l'oubliais.
On se place, jambes un peu plus larges que les épaules. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tantôt. Et on va toucher le bout des orteils de cette façon-là. Donc, quand tu fais ceci, ça compte pour 1, 2, etc. Et finalement, dernier exercice de la journée, c'est la planche sur le côté bras au ciel. C'est quoi ça, M. Philippe? Donc, pour le niveau 1, tu vas te placer sur le côté, tourner, coller tes jambes ensemble. Tu essaies de te lever en équilibre et de placer le bras comme ça pour décoller les hanches de ton corps. Niveau 1, tu te places de côté, tu essaies de rester droit pendant 10 secondes. Et ensuite, on va se tourner de l'autre côté. Pour un autre 10 secondes. Un autre 10 secondes. Ah, OK. On fait 10 secondes d'un bord, 10 secondes de l'autre côté. Niveau 2. Niveau 2, on va se positionner sur le côté, comme ceci. Et on lève le bras. Et on lève le bras. Vous n'avez pas montré le bras. Non. Là, on monte le bras. Et si vous voulez faire un petit défi, une petite rotation comme ceci. OK? Ça, ça compte pour 1, 2, jusqu'à 10. Et on fait la même chose de l'autre côté. On est prêt? C'est ça? Ah oui. Je vais me repositionner à ma place. Et on commence ça dans 3, 2, 1, position. C'est parti. 1, 2, 3,
Bon, tu viens de compléter ton premier circuit. Yes! Ça sera à toi de voir. Si tu veux aller au niveau intermédiaire, tu refais le circuit une deuxième fois, la même nombre d'exercices. Et si tu veux pousser encore ton corps un petit peu plus loin, tu peux le faire une troisième fois. Et même une quatrième, si tu penses que tu as encore l'énergie, ce qui est pas mauvais. Exact. Moi, j'aimerais ça savoir, si tu l'as fait, marque ton nom en dessous et combien de fois, combien de séries tu as fait. Une série, c'est qu'est-ce qu'on vient juste de faire. Les 6 exercices, ça, c'est une série. Comme là, M. Philippe a dit, essaie d'en faire 2 si t'es capable, 3, 4. Puis marque ton nom et laisse-le en commentaire en dessous combien de fois tu as réussi à le faire. Alors, M. Philippe, magnifique! On s'est pas touché. On va aller mettre du purée après, c'est important. Allez boire de l'eau, magnifique, vous avez bien fait ça. Bravo! Et on se revoit dans une prochaine capsule vidéo très bientôt. Yes! Au revoir, monsieur. À la prochaine! Au revoir! We'll attack, and you don't want that.